Par contre, il y a une anecdote qui est très amusante des corps étrangers dans la série Jeux et Quincaillerie. C'est un patient qui vient en consultation, et non plus en urgence. Le patient explique qu'il a des problèmes pour aller à la selle, qu'il est constipé, etc. On met le malade à quatre pattes. Le patron demande au jeune interne de mettre un tube et de regarder dans le rectum du monsieur. Et à la question qui lui est posée, qu'est-ce que tu vois ? L'interne répond, le Mont Saint-Michel sous la neige. Le patron étonné lui dit, mais tu te fous de moi ? Le patron jette un œil un petit peu dubitatif dans le rectoscope et voit effectivement le Mont Saint-Michel sous la neige. C'était en fait un patient qui s'était mis une boule souvenir, le Mont Saint-Michel, avec la petite neige que nos grands-mères aimaient beaucoup. Et donc l'interne n'avait pas vu faux. Le problème, c'est que c'est une histoire qui apparemment a été vécue. Mais il faut sortir le Mont-Saint-Michel sans le casser. Et ça, c'est du sport. Vrai, ça ? Oui, c'est un grand classique. Ah ouais. Alors là, le...